Bonsoir à tous, bonsoir à ceux que je n'ai pas vus. J'ai essayé de voir tout le monde, mais alors effectivement, je ne vais pas parler pendant 20 minutes, je pense. Enfin, j'espère pour vous, promis, je vais essayer de pas parler pendant 20 minutes. Je souhaitais d'abord et avant tout vous souhaiter la bienvenue, bienvenue pour ce week-end, pour ceux qui ont pu participer ou qui ont la chance ou la possibilité, en tout cas, de participer à ce week-end, puisque là, on se retrouve pour ce banquet ce soir et je vous en remercie. Néanmoins, et dorénavant, cela se prolonge par des événements qui ont lieu en amont de ce banquet et aussi à la suite de ce banquet, déjà ce soir pour ceux qui peuvent et puis même demain midi. Donc, merci à tous déjà d'être là. Ces banquets, c'est un événement évidemment convivial entre militants, entre adhérents et qui est aussi ouvert, et vous êtes nombreux ici et c'est tant mieux, aux sympathisants. J'en profite d'ailleurs pour ceux qui verront notamment la vidéo pour nous excuser auprès de ceux que nous avons été contraints de refuser par manque de place. Donc, il y aura probablement d'autres occasions puisque ce banquet qui se fait aujourd'hui à Paris, il est décliné aussi dans les sections locales. Donc nous comptons plusieurs sections locales, des sections parfois assez importantes aussi. Il y aura très prochainement aussi un banquet, notamment entre les régions PACA et Occitanie. Et donc, ceux qui n'ont pas pu participer nécessairement de ce banquet ce soir pourront aussi participer, selon où ils vivent, dans d'autres banquets. Donc ces banquets s'inscrivent aussi, c'est important, et d'où la touche de couleur que vous retrouvez ici aussi, notamment, pas seulement, mais ils s'inscrivent aussi dans une histoire qui a été en partie contée à certains d'ailleurs cet après-midi. Merci les camarades qui ont contribué à tout ça. Il s'inscrit dans une histoire républicaine particulière, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette date, hein, du 24 au 23 février, notamment en référence février 1848 et l'avènement de la Deuxième République. Et ces banquets, ils étaient d'ailleurs l'occasion, à cette époque-là aussi, vous le savez, de contourner une interdiction de rassemblement politique, c'est-à-dire par un prétexte finalement un peu convivial, de rendre possible des échanges politiques. Et c'est ce que nous essayons de conjuguer ici, c'est-à-dire ne pas être seulement dans la politique un peu terne, c'est-à-dire le discours politique seul, peut-être parfois un peu ennuyeux, etc., et ne pas non plus être simplement dans l'esprit de fête qui serait une fuite en avant. Parce qu'aujourd'hui, pour déconsidérer la vie politique, il faut être dans le déni le plus total. Je pense que c'est certainement pas votre cas ce soir si vous êtes ici. Et quand on n'est pas dans le déni, on comprend bien qu'en réalité, les parallèles entre notre vie personnelle et la vie politique se font, et c'est aussi pourquoi ce soir on essaie de conjuguer cet ensemble. Et donc, je vous remercie non seulement d'être là, je remercie surtout les membres de la section Île-de-France, nos cadres prioritairement, mais aussi nos militants qui rendent ces événements possibles. Je remercie toutes les personnes qui s'activent déjà depuis tout à l'heure aussi en cuisine, puisque encore une fois, ces événements ont la particularité, comme on en fait d'autres aussi dans l'année, d'être totalement produit par l'IHT, d'accord ? Nous ne faisons pas appel à des services extérieurs et c'est quelque chose qui nous importe aussi puisque c'est là quelque chose d'extrêmement important dans notre capacité à gérer ce travail, à l'autonomiser, etc. Et donc, nous le faisons ici le temps d'un week-end, le temps d'une soirée. Je rappelle, et aussi d'ailleurs pour vous qui êtes présents ici, que nous le faisons le temps même d'un week-end prolongé lors de notre événement national qui est peut-être le plus conséquent, qui était jusqu'alors les estivales et qui aujourd'hui sont pour cette année les Floréales, d'accord, qui auront lieu début mai, et j'invite d'ailleurs tous ceux qui ne se sont pas déjà inscrits à le faire le plus rapidement possible. Et lors de ces week-ends militants, justement, nous pouvons nous retrouver et conjuguer encore une fois cette approche politique de partage et en même temps une certaine convivialité, créer des lieux et des moments, comme ici ce soir, de convivialité et de sociabilité, et c'est ça qui nous importe et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles vous êtes ici. Il y a dans cette salle, évidemment, beaucoup de militants connus, beaucoup d'adhérents et aussi des sympathisants. C'est à eux que je souhaiterais m'adresser ici aussi, en leur souhaitant évidemment un agréable week-end et une agréable soirée. Et en insistant sur le fait qu'aujourd'hui, ils participent par leur présence, et c'est déjà une excellente chose, et c'est déjà un premier pas politique conséquent. J'espère qu'à notre contact, vous allez pouvoir par la suite, effectivement, aussi participer par vos actions, nous rejoindre et participer de ces projets qui nous tiennent à cœur, qui sont importants, qui sont des projets, certes, pour ceux qui nous connaissent par cet intermédiaire-là, qui sont des projets parfois intellectuels, mais vous voyez qu'encore une fois, et l'exposition qui vous avez été faite, pardon, cet après-midi et la rencontre que nous avons ce soir conjugue encore une fois non seulement des approches intellectuelles et politiques, mais encore une fois, comme je l'ai insisté dessus, des moments de sociabilité et de camaraderie, voire de fraternité qui sont, à mon sens, extrêmement importants. Et donc, contribuer, si vous le souhaitez, vous aussi, non pas
uniquement par votre présence, mais bien aussi par les actions que vous allez pouvoir mener au travers de projets qui sont collectifs et qui vont vous apporter, puisque ce que l'on rencontre le plus chez nous et les retours majeurs qui sont ceux de nos adhérents et de nos militants, c'est que finalement, au travers de ce que nous faisons à l'IHT et qui ne se cloisonne pas à ce qu'on peut en voir justement sur le numérique, et c'est tant mieux parce que certains sont forts de nous réduire à quelques idées qu'ils se font de ce qu'on peut laisser transparaître parfois sur les réseaux, alors qu'en réalité, l'IHT, c'est bien plus que ça et vous en êtes la preuve ce soir, vous en êtes la preuve vivante. On a même, encore une fois, j'insiste, été obligé de refuser certaines personnes par manque de place ce soir. Donc, en réalité, l'IHT existe au-delà même des réseaux, contrairement à ce que beaucoup de ceux qui peuvent nous attaquer pensent et contrairement à ce que eux font ou ne font justement pas. Et donc, c'est quand même extrêmement important. Donc, participer à ces projets collectifs, parce que plus on sera nombreux à participer à ces projets collectifs, et plus on pourra faire en sorte que ça prenne de l'ampleur. Et vous voyez bien que dans la société civile, avec les outils qui sont les nôtres politiquement, réunir ici ce soir autant de personnes qu'il y en a ici, ce n'est pas anodin, d'accord ? Ça compte, c'est important, et si on est en capacité de produire des événements beaucoup plus conséquents, beaucoup plus réguliers, et en plus de ça, de les produire de manière totalement indépendante comme nous le faisons, eh bien vous voyez bien que politiquement, ça a d'emblée un impact extrêmement conséquent, et réunir, encore une fois, autant de personnes physiques, c'est pas réunir simplement des centaines de vues, d'accord ? C'est pas du tout la même chose et vous le savez. Et d'ailleurs, votre présence ici, le fait que vous fassiez ce pas-là et avec les problématiques que tout cela pose, en est une preuve et la plupart du temps, vous en avez bien conscience et c'est bien d'ailleurs la raison pour laquelle certains n'osent jamais faire ce pas. Le problème, c'est qu'encore une fois, ils refilent finalement la patate chaude aux autres. Eh bien, grand bien nous en fasse finalement, j'ai envie de dire, puisque finalement, ce sera à nous de mener ce combat et tant mieux si nous sommes en mesure de le conduire correctement. Alors, pour encore une fois, plutôt à l'adresse des sympathisants qui sont ici ce soir, je reviens et je terminerai rapidement là-dessus, sur ce que nous faisons justement à l'IHT de manière générale et la manière dont on le décrit. Il y a bien sûr à l'IHT une ligne politique. Celle-ci, je pense, malgré tout, que vous la connaissez. Si on devait la synthétiser, eh bien, c'est ce que j'ai appelé la souveraineté intégrale, d'accord ? C'est-à-dire une ligne de souverainiste social, on peut dire. C'est-à-dire finalement, pour la reconquête, parce que c'est absolument nécessaire. Aujourd'hui, encore une fois, c'est le constat que nous faisons, la reconquête effectivement d'une souveraineté nationale, mais élargir cette souveraineté aussi aux questions du travail, de la production, de la gestion, de la consommation, c'est-à-dire à la réalité économique, d'accord, et sortir du laisser-faire économique dans lequel nous nous trouvons. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que pour être pleinement souverainiste, il faut évidemment marcher sur ces deux jambes, le plan politique et le plan économique. Ça, c'est notre ligne politique. Ligne politique que j'ai eu l'occasion de décrire au travers de plusieurs vidéos, mais surtout au travers de mes deux derniers ouvrages, pour une souveraineté intégrale qui était paru l'année dernière, et Continuons la France, que vous allez pouvoir retrouver ce soir et que je vais dédicacer tout à l'heure, qui vient de paraître et qui est une production entièrement réalisée, là encore, j'insiste, vous voyez à quel point c'est important, entièrement réalisée par les camarades de l'IHT, et cette fois principalement d'ailleurs par les membres du bureau, dans des délais extrêmement brefs, et je pense que la qualité y est un rendez-vous à tous les niveaux. Je ne parlerai pas forcément du fond, parce que c'est moi qui en suis l'auteur, donc je vais rester modeste. En tout cas, dans la forme, je suis extrêmement ravi du travail qui a été fait, et je pense que vous pourrez constater qu'en réalité, c'est un très bon travail par rapport à tout ce qu'on peut trouver, et qui a été pourtant réalisé par des amateurs. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est amateur qu'on fait du mauvais travail, bien au contraire, parfois, parce que c'est fait avec un réel sens et une réelle passion qui ne se trouve peut-être plus, d'ailleurs, chez certaines maisons d'édition, comme dans bien d'autres métiers, et on comprend pourquoi. Donc, je vous inviterai à consulter le livre et même à l'acheter. Ça, c'est la ligne politique. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette ligne politique, on n'est pas là ni pour faire un meeting, ni pour faire une conférence. Simplement, je décline les différents aspects sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années et qui sont en train de prendre forme. Il y a cette ligne politique que j'ai désignée, il y a ce qu'on appelle le métapolitique, d'accord ? Méta, ça veut dire au-delà. Le au-delà du politique, c'est quoi ? C'est ce qui chapeaute, finalement, le politique, et ce sur quoi j'ai travaillé dès le départ, et ce sur quoi nous travaillons sans relâche. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit par la mise en place de séminaires, d'ailleurs de séminaires, y compris aujourd'hui, de camarades, aussi pour certains qui sont présents ici ce soir et qui, par l'intermédiaire de la chaîne YouTube, entre autres, eh bien, ont vocation aujourd'hui aussi à s'exprimer, à transmettre leurs connaissances. Et c'est tout ce travail d'intellectuel organique, c'est-à-dire d'être en capacité effectivement de distribuer, de transmettre un certain nombre d'idées, de les faire évoluer dans la société, qui nous importe. C'est un travail qu'on nomme aussi celui évidemment de la bataille culturelle et qui est mené chez nous par un lourd travail de formation. Quand je dis lourd, c'est pas parce qu'il est pénible, c'est parce qu'il est conséquent et qu'il est d'autant plus conséquent qu'il existe très peu ailleurs, encore une fois, dans les organisations à l'heure actuelle.
Beaucoup de nos adhérents, beaucoup de nos militants ont fréquenté, voire parfois fréquentent encore, de nombreuses organisations et savent très bien la différence qu'il y a entre la formation qu'ils trouvent chez nous et ce qu'ils trouvent à l'extérieur. Plus encore, aujourd'hui, nous sommes à Paris, en région parisienne, depuis l'année dernière, au moins, des ateliers de formation ont lieu chaque week-end. C'est devenu un rendez-vous qui, encore une fois, conjugue à la fois un travail de formation, un travail politique, mais aussi un travail de rencontre qui crée des lieux, évidemment, de sociabilité, etc. Et c'est extrêmement important. Donc, il y a tout ce travail métapolitique qui est en jeu. Et il y a un travail que moi j'ai appelé, du coup, notamment dans Pour une souveraineté intégrale, et qu'on continue à appeler comme tel, parapolitique. Para, cette fois, ça veut dire parallèle, à côté d'eux, d'accord ? Non plus au-dessus, c'est pas ce qui chapote, mais c'est ce qui compose, hein, d'accord, la réalité de nos vies au quotidien, et encore une fois, en dehors des séparations vaines. Bien sûr qu'il nous faut distinguer, comme on est tout à fait en capacité de le faire ce soir, l'approche politique de l'approche parapolitique, c'est-à-dire de distinguer finalement ce qui relève en dehors du politique de ce qui relève de nos amitiés, notre camaraderie, etc. Toutefois, ce n'est pas parce qu'une fois encore, on peut les distinguer qu'il faut les séparer. Et c'est ce que je dis depuis le début de ce discours, c'est-à-dire que nous essayons de conjuguer ces différentes approches-là pour éviter d'être totalement hémiplégiques. Donc il y a tout un travail parapolitique qui se traduit par ces banquets, par les floréales, par un ensemble, encore une fois, de création de lieux. Vous voyez que occuper l'espace médiatique parce que c'est un enjeu décisif, notamment un enjeu là, métapolitique, c'est important. Mais encore une fois, occuper des territoires sur le plan spatial et réel, c'est aussi extrêmement important. Et c'est ce que nous faisons ce soir, encore une fois. Ça a une réalité extrêmement concrète. Et c'est sur tous ces plans-là que nous travaillons. Et donc, eh bien, vous êtes ici ce soir et je ne peux que vous en remercier. J'espère que vous allez apprécier encore une fois cette soirée et ce week-end. Je vais vous laisser sur ces quelques mots et vous inviter finalement à me rejoindre si vous le souhaitez pour que je puisse dédicacer ce livre qui donc du coup s'appelle « Continuons la France » puisque effectivement, dorénavant, c'est notre mot d'ordre, j'ai envie de dire, en ce sens que je ne peux que vous inviter non seulement à faire vivre, mais bien évidemment à continuer la France, et cela passe par tout ce que je viens de décrire jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Merci.